Bienvenue au cœur de l'excellence. Ici, le bijou mahoré se réalise au millimètre. Mohamed Toufaili est le maître bijoutier des lieux. L'instant est important. Il maîtrise à la perfection la technique du filigrane, entrelaçant de très fins fils d'argent. Du sur-mesure pour cette fleur d'hibiscus, entre les mains expertes de Mohamed. C'est très très difficile, parce que le cadre, c'est pas rattaché. Il y a des passes de cadre. Je remplis juste dans l'espace libre. C'est la pièce principale de la future couronne de Miss Excellence 2023, confectionnée exclusivement dans les ateliers de la bijouterie. On ne verra pas tout du processus de fabrication. Certains secrets sont bien gardés. Ici, une boucle d'oreille est découpée au laser. Et voilà le résultat final. Dans l'atelier, la vedette, c'est elle, la fleur d'ylang. On va le décliner en plusieurs formes, collier, bracelet, diadème. Et à chaque fois, on stylisera l'ylang de manière différente. Travaillée sous toutes les coutures, en or ou en argent, aujourd'hui, elle est entre les mains de Swadiki. Là, je taille une file. Lui, comme beaucoup, a appris le métier auprès d'un fundi. Sa fleur d'ylang, on la retrouvera en collier. Elle se vend chaque mois par centaines dans les boutiques de la marque, placée en tête d'affiche, avant de se retrouver notamment autour du cou des Mahoraises. C'est le cas d'Urmati. La fleur d'ylang, c'est son cadeau de fête des mères cette année. Ça représente surtout Mayotte, c'est assez beau. Et ce que j'aime avec les bijoux Mzourisana, c'est que c'est assez fin. C'est assez fin, c'est bien travaillé, donc du coup ça représente les bijoux de nos jours en fait. Le savoir-faire maoré devrait prochainement s'exporter à La Réunion avec l'ouverture d'une nouvelle boutique.